Du quartier, c'est son spectacle actuel. Il raconte ce qui lui est arrivé après ce film. Alors, Riton devient la vedette du quartier, comme son nom, le spectacle, et la vedette du quartier à Bruxelles. Et il rêve de devenir la vedette de Paris. Alors, avec beaucoup d'autodérision et cet humour belge que vous connaissez bien, il raconte ses désillusions, il raconte cette folie du Paris des années 80. Le spectacle est très réussi et je vous propose de le découvrir. Tu veux un petit suisse? Normalement, vous savez, j'en veux à personne. Faut que tout le monde s'amuse. On s'amuse pas des mêmes trucs, c'est tout. C'est pas parce que j'étais le petit garçon génial de préparer vos mouchoirs que j'ai réussi tous mes castings. Après, fort de cette expérience de préparer vos mouchoirs, je suis arrivé à Paris et je suis devenu un comédien comme les autres. Et j'étais pas tout seul sur la place de Paris. Et comme en plus j'étais un peu concon, un peu rebelle, un peu dickeneck, comme on dit à Bruxelles, que je me la pétais un peu dès qu'il fallait. Je préférais sortir en boîte que travailler. C'est ce qui m'a un peu perdu, c'est-à-dire que j'avais un goût pour la danse, la folie, la musique, et puis la cam qui est arrivée. Et voilà, j'étais pas très sérieux, quoi. Les bains douches, les gars! Les bains douches! Avec Charlie et Florent, on y va tout le temps! Sur le trottoir, les mecs font la queue! Mais nous, on est des acteurs, ok? On rentre comme on veut! Paris, les mecs! Les bains douches, hé! Hey, c'est pas la porte de Vincennes ici, ok? Ici, les gens sont classe! Wow! Bien habillés! Et sur la piste, il y a tellement de monde que parfois tu peux pas danser! Hé! Hey, et les filles, les gars, elles sont belles! Des avions de chasse! Des bombes atomiques, comme dirait Florent! Bien sûr, c'est lui qui se fait tape! Alors moi, je m'envoie les whisky coca qui changent ma porte et qui sont gratuits, enfin! À l'œil, comme on dit ici! Je me suis sauvé du monde difficile, douloureux, vain, débile du show business par l'écriture. Et même si le petit garçon et moi, j'ai toujours envie d'être dans, le, voilà, d'être dans les films, dans les... Ok, t'as envie d'être dans les films, mais quel film? Ah, je sais pas. Alors que quand j'écris, c'est pas comme ça. Quand j'écris, je suis maître de mes projets. Je suis au centre de mon histoire. Le petit garçon d'en préparer vos mouchoirs, c'est toi? Et alors? Il est sympa, Depardieu! Et Carole, tu l'as vraiment... Voilà, donc le spectacle sera au Théâtre de Poche du 20 février au 10 mars à Bruxelles et puis il revient à Paris au Théâtre du Petit Saint-Martin.